On se retrouve pour un nouveau numéro de Fête le Papier, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ce début de semaine, le prix Henri Rossi. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 2000 mètres en PSF. Mon favori sera le numéro 16, Koshenko. Le partenaire de Stéphane Pasquier va évoluer sur son parcours de prédilection en étant le plus petit poids de la course. Comme vous pouvez le voir, lors de sa dernière sortie, il a réalisé une probante fin d'épreuve. En forme, sur un parcours où il n'est jamais sorti des 5 premiers, il a l'occasion de renouer avec le succès. Je lui oppose le numéro 9, Lorenzo de Medici. Son entraîneur a fait le choix de le raccourcir pour cette épreuve. Avec de la fraîcheur, cet excellent finisseur peut une nouvelle fois surprendre à surveiller. Le numéro 15, Alpage, vient de laisser une très bonne impression sur les 1600 mètres de parcours. Ce lundi, il retrouve une distance sur laquelle il est invaincu en deux essais. En 35,5 de valeur avec le numéro 4 dans les stalles, il fait office de bel outsider. Ensuite, le numéro 5, Bozio, il vient de terminer 10e d'un quintet plus en étant top weight. Ce lundi, il est pris en 41 de valeur, donc il perd 1 kg avec un numéro de corde correct. Il est logiquement à reprendre. Le numéro 8, Wolf, le partenaire d'Eddie Ardoin, fait ses grands débuts sur les 2000 mètres. S'il tient la distance, il n'est pas à négliger dans cette épreuve. Enfin, le numéro 12, Noce d'Argent, il fait partie des candidats les plus expérimentés de l'épreuve. Dernièrement, il vient de s'imposer sur ce parcours. Cependant, il est en méforme dans les quintets plus, c'est une affaire d'impression. Mon ticket combiné en 6 chevaux est le suivant, le 16, le 9, le 15, le 5, le 8 et le 12, pour un montant total de 12 euros. Retrouvez l'analyse de ce quintet plus et l'actualité autour des courses hippiques sur equidia.fr. Bonne journée et bonne semaine à tous.